comme Abraham qui a intercédé en faveur des habitants de Sodome, comme Jésus qui priait pour ses disciples, comme Paul qui disait à la communauté de Philippe, ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres, Philippiens 2, 4. Ainsi, les chrétiens prient toujours pour tous ceux qu'ils portent dans leur cœur, pour ceux qui sont loin d'eux, et même pour leurs ennemis. Plus on apprend à prier, plus on sent au fond de soi-même que l'on fait partie d'une grande famille spirituelle qui rend efficace la force des prières. Avec tout le souci que je porte à ce que j'aime, je suis au cœur de la famille humaine. Je peux recevoir des forces grâce à la prière des autres et implorer le secours de Dieu en faveur des autres. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour du Christ. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Épître aux Romains 8, 34, 35. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Première épître aux Thessaloniciens 5, 18.